Salut. Apparemment, vous me cherchez avec la torche. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Djibril, si mon remède a trouvé la sorcellerie dans ton ventre, ça va te faire vomir, non? Tu as compris? Si tu es venu ici là, tu crois que quand tu vas dire comme ça, je vais paniquer. Si on met quelque chose dans ton ventre, ça va sortir comment? Soit ça sort en bas, soit ça sort en haut. Donc je suis là pour vous apporter de la paix. Je sais que certains d'entre vous, vous avez commencé à paniquer. Parce que vous vous êtes dit, ça fait longtemps que j'écoute la femme ici. Et ça fait comme ça va aller, mais ça ne va plus. Laissez la paix. Comment donner? Laissez la paix venir à vous. La reine Elsa, je ne suis pas en direct sur YouTube maintenant. Dieu ne peut pas agir dans votre vie s'il n'y a pas la foi. Et ce qui va te... Ce qui va attirer vers toi, c'est la foi. Tu dois avoir la foi que ta souffrance est finie. Une dame a payé sa dîme aujourd'hui. C'est le troisième mois qu'elle paye sa dîme chez moi. Elle est au Canada. Je ne sais pas pourquoi, mais son cahier de dîmes, elle a filmé ce qu'elle a écrit. Je vous ai bien dit ceci. Quand vous payez votre dîme, chaque mois, écrivez dans votre cahier de dîmes. Quand je lisais ce qu'elle avait écrit et je m'accordais avec elle, je sentais la présence du Saint-Esprit. Et là, elle m'a fait un message avant. Elle me dit, voilà, ça fait 3 mois que je t'écoute. Tes paroles, tes enseignements m'ont permis de faire une rétrospection. Une introspection aussi. Et j'ai pu m'analyser, j'ai vu. On avait bloqué mon enfant dans le ventre. On avait travaillé pour bloquer mes enfants quand j'étais enceinte. On avait bloqué mon étoile. On avait fait que si je me marie, que je sois un peu heureuse. Ça, c'est l'esprit qui lui a révélé ça quand il jeûnait. Mais écoutez maintenant, quand tu identifies déjà un problème, hein, ça veut dire que tu l'as déjà résolu à 70%.
Merci pour mes agents de lumière. Attendez, je bois un peu d'eau. Chapelet, ça a beaucoup de force. Beaucoup. Vous devez arriver à un niveau où vous comprenez. Vous comprenez que tout va bien se passer. Je vous dis souvent que mes paroles là, ça vous guérit. Quand vous me laissez vous m'écouter comme ça vous guérit. Parce qu'il y a des envoûtements qu'on a fait sur vous, le genre que tu ne peux pas avancer. Tu es découragé. Amen, Baskin. Il y en a parmi vous, les choses qu'on a fait, c'est dans le but de. Le fait que tu ne saches même pas. Tu es au statu quo. Tu fais 10 ans sur place. J'ai lavé. Je vous avais parlé du ménager une fois, non? Une dame comme ça, ménagère depuis 18 ans. En un mois, elle a trouvé la. Donc, les gens qui disent que je suis chez elle, je ne fais pas. Mais mon travail, ce n'est pas pour tout le monde. En un mois, la femme l'a trouvé 50 000. Qui peut être le salaire du ménager au Cameroun? Pour venir se laver. Consultation, lavage. Elle est ménagère depuis 18 ans. Elle-même, elle a dit qu'elle va sortir, que je sors de là où j'étais. Il y en a parmi vous qu'on vous a mis le statu quo, l'immobilisation. Et quand tu restes, tu ne vois pas que. Donc, tu ne penses même pas une seconde que tu es dans le trou. Bonsoir, Lorenzo. Oui, je vous dis tout le temps que mes paroles, ça apaise, ça guérit, ça restaure. Écoutez, hein, le temps de votre vie où tu restais, ça marche plus. Quelqu'un vient, il veut t'épouser après, dans 2 semaines, il disparaît. Le temps-là est fini dans ta vie, mamie. Quelqu'un te promet l'argent aujourd'hui. Après demain, il te déteste. Quelqu'un vient t'escroque. Son frère vient t'escroque. Le lendemain, ton ami t'escroque. Tu te retrouves en un mois que 5 personnes t'ont escroqué. À partir d'aujourd'hui, en un mois, là, tu vas voir comment 5 personnes vont venir te donner l'argent pour rien. Les grosses sommes d'argent. Hein. Bonsoir la reine Josiane. L'esprit m'a dit de dire à certains d'entre vous, vous devez beaucoup écouter, faites la méditation. La méditation va vous aider à être conscient, ça va vous aider à être présent, ça va vous développer votre imagination. Et surtout, ça va restaurer votre image de vous-même. Beaucoup d'entre vous, vous ne vous aimez pas. Vous n'aimez pas votre présence. C'est quand tu vas commencer à t'aimer. Tu vas voir un homme va venir, il va t'aimer jusqu'à tu es encore Wanda. Non, en fait, tu t'aimais déjà. Et s'aimer, ça ne veut pas dire qu'on passe à faire du shopping. C'est vrai quand même que ça n'est. C'est vrai que ça fait quand même du bien d'aller faire du shopping, tu vois un peu. Et c'est pas le shopping qui te guérit. Tu n'en as pas forcément besoin. Tu penses, tu obtiens. Tu penses, tu obtiens. Tu
penses à une voiture. 2 jours plus tard, tu achètes la voiture. Tu penses à meubler ta façon, ta maison d'une façon. Tu penses à voyager, tu pars. Tu penses à. Mais. Okay. Il y a un niveau de vie comme ça. Il y a un niveau où tout ce que tu fais, ça passe crème. Tu restes même les mauvaises images que tu avais souvent dans ta tête là ne passent plus. Les images qui faisaient que tu doutes. Ah, est-ce que ça va même marcher? Ah, moi. Donc, il va venir, il va m'aimer pour rien. Je ne lui ai rien donné. Il m'aime. Et il est fidèle. Non. Non. Ma chérie. Aime-toi. Tu vas voir. Attendez, j'ai un témoignage que je vais vous lire. Attendez. Une dame qui m'a fait un bon témoignage aujourd'hui, un témoignage sucré. Je vais vous lire ça. Bonsoir ma reine, j'ai plusieurs témoignages à vous faire. Mon cœur, mon âme, mon esprit sont inondés de joie. Praise the Lord. It's testimony time. Praise the Lord. Oh my God. Elle dit, ça fait près de 4 mois que je vous suis. Et je me lave au sel de mer. Et même mes enfants. J'ai commencé à faire des rêves très clairs, nets et précis. Où je voyais les visages des gens qui en veulent à mon bonheur. Vous allez voir les Decepticons dans vos rêves. Tu vas dire, hein? Mais tata, c'est toi qui m'as élevé, non? Elle dit, plus je me lave au sel, plus les combats s'intensifient. Et même mon copain et moi, nous sommes restés 4 mois sans se voir à distance. Sans se voir, la distance s'est installée. Mais je suis restée sereine dans mon cœur. Je ne battais pas tout. Elle dit quoi? Sereine dans mon cœur. Je ne me battais pas du tout. Lui aussi. Et il ne me proposait plus de se voir. Je m'en fichais pas mal de lui. Le mercredi 23 février, j'ai payé mon lavage à distance. J'ai payé mon lavage à distance le mercredi 23 février. Et il a été fait le 24 février. Donc, elle a payé le mercredi et je l'ai lavé le jeudi. Et le 1er mars, la sous-préfecture m'a envoyé un message en me disant que la carte de séjour est prête. Depuis 4 ans que j'attends. Et encore, aujourd'hui, ce copain qui m'écrivait tous les jours, mais ne proposait plus de se voir aujourd'hui, demande qu'on se voit quand. Donc, je vais l'appeler Marguerite. Parce qu'on ne connaît pas qui écrit, non. On va l'appeler Marguerite. À 3 ans, j'ai chopé le chien, j'ai grandi avec la rage. Vous savez, Dieu m'a envoyé les paroles que je vous dis là. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous me voyez dans vos rêves. Il y a même quelqu'un qui m'a dit ce matin, un témoignage qu'elle m'a vu où là. Attends, quelqu'un m'a dit un truc sur un témoignage. Vous me voyez tellement dans vos rêves. Certains disent, oh, tu es venu avec ma mère, tu m'as sauvé. Oui, l'autre, la personne m'écrit, elle me dit, elle m'appelle ma reine.
que je suis la reine, reine lumière, qui m'a vu dans le rêve, j'étais, on le pointait, on disait que voilà la reine, et c'était moi. Je ne sais même plus, oh Seigneur. Il y a tellement de témoignages. Je suis l'incarne, donc je ne travaille pas moi pour quelqu'un, tu as compris. Tu as compris, Gisela? Je ne travaille pas pour quelqu'un. Donc, je ne peux pas te dire que je fais un travail particulier. J'ai créé le travail moi-même. Gislain, je suis ce que je suis. Tu as compris, Gislain? Je sais que la paix des gens vous dérange. Quand tu vois quelqu'un, donc, il faut que tu viennes, que tu es donc quoi? Je suis ce que je suis. Tu as compris? Pardon, laisse Gislain m'amener. Vous êtes d'accord, on n'insulte pas les gens sur ma page. Si quelqu'un vient sur la page ici, il vous parle. Lumière sage divine, un truc comme ça. J'essaie de lire ton message. Tu ne sais pas que l'univers est en train de t'aider. Gislain, tu n'as pas besoin de comprendre. Écoute-moi seulement, tu as compris. Celle qui a acheté le kit commerce, et après, les kits que je fais et que je vends, les... Quand l'esprit reste comme ça, il me dit que fais ça, ça, ça. Je ne doute même pas une seconde. Voilà, je vous avais parlé de celle-là, arc-en-ciel. Voilà ça. Arc-en-ciel. J'ai foi en ce que je vous donne. Maintenant, vous devez avoir foi en vous et en ce que vous recevez. Si tu restes un marabout pour venir te dérouter, c'est que toi-même là, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu as compris? C'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Vous devez développer l'habitude de d'avoir foi en vous. Voilà, tu vois, voilà Angélique. Je dis que j'étais sur le point de te laver dans ton rêve. Et ta mère est venue derrière moi. Elle m'a monté les feuilles que je devais mettre dans ton bain. Je ne suis pas envoyée pour tout le monde. Je ne suis pas envoyée pour tout le monde. Jésus avait dit, ma brebis connaît même ma voix. My sheep know my voice. And they follow. And they will follow to nobody else.
When you're my sheep, eh? You don't know me, and they know you. You don't recognize me. Ta maman décédée à côté de toi, ça veut dire qu'elle te protège. Ta mère te protège. Non, je pense que les églises catholiques font déjà la prière. Donc je n'organise rien. Je n'organise aucun programme de prière particulier. Donc allez prier dans vos églises catholiques, ok? Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas les kits ici, là, très riches, très pauvres. Je ne vais pas présenter les kits, tu as compris. Il y a le kit fondation pour refaire ses fondations. Il y a les choses maléfiques que vos parents vous ont passées, ça vous dérange. Bonsoir le roi Maurice. Nerissa, tu n'as pas besoin d'aide pour accoucher. Les contractions vont commencer, tu vas les pousser, ça va sortir. Non? Quand tu dis que tu as besoin de mon aide, comment? Giseline, how are you? Giseline, calme donc. Je résiste pour ne pas te bloquer. Tu veux que venir avec des questions qui n'ont pas de sens, papa. Tu sais qu'il y a des salles de réunion où quand on te lance là-bas, si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas tenir là-bas, non. Tu sais ça, non. Il y a des salles de réunion où quand on te met là-bas, si tu es encore novice, tu vas devenir fou. Il y a des livres que si tu lis, tu n'es pas encore prêt, tu vas devenir fou. Je suis conscient que ce n'est pas tout le monde qui est censé écouter ce que j'ai à dire. Et ça, je suis en paix avec ça. Pour certains, je suis un guide. Pour certains, je suis une mère. Pour certains, je suis un coach. Pour certains, je suis une fille. Pour certains, je suis pasteur. Merci, Maurice. Ok, Marie, reine, tu vas venir à Douala pour me voir, super. Je voulais vous passer de la paix ce soir, ok? Quand vous allez dormir cette nuit, vous allez avoir beaucoup de messages. Je vous envoie de l'amour pur. Pour ceux dont le cœur est ouvert, dont le chakra est ouvert pour recevoir, je vous couvre d'amour et de paix. Je vous remercie de vous être connecté. Je remercie l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Je remercie sa mère, la Vierge Marie, qui a conçu Jésus-Christ sans péché. Merci Seigneur. Ne paniquez pas, je vous en prie. Il y a de l'énergie en train d'être donnée dans l'atmosphère. Et si vous sentez fatigué, allez vous coucher, vous dormez. Passez du temps avec vous-même. Vous laissez l'esprit vous enseigner. Vous laissez l'esprit vous guider. Oui. Seigneur, je te remercie pour les femmes ici. Je te remercie parce que tu penses leurs blessures. Seigneur, je te dis merci. Je viens répandre ta lumière, une fontaine de lumière sur tous tes enfants à travers le monde. Je guéris leur cœur qui était meurtri. Amen.
Yannick, Eliane, je vais te bloquer, tu as compris. Amen, masquine, coco. Je reçois ta prière. Je ne prie pas pour la guerre, tu as compris. Je répands l'amour et l'amour va aller faire son travail. Je ne repousse pas, je ne prie pas contre la guerre. Concentre-toi sur l'amour. Concentre-toi sur la paix. Amen. Je vous envoie une fois de plus à nouveau. Je vous envoie de la paix. Toute personne qui m'écoute, j'envoie de l'amour, de la sérénité. J'annule. Vous travaillez tellement dur. Vous avez mal au dos, vous avez mal aux pieds, aux articulations. Mais vous n'avez pas le choix. Je vous donne du repos. À votre âme, votre esprit. Merci Seigneur. Amen. Bon, bonne nuit à vous. Hein.